Toute ma vie a été parsemée d'embûches, des hauts et des bas. Je me suis toujours relevée malgré tout. En amour, j'ai tout donné, en espérant être heureuse en retour. J'ai espéré recevoir de l'amour, de la tendresse, de l'affection. Je pensais qu'en aimant, je serais automatiquement aimée en retour. J'ai toujours pensé que mon bonheur dépendait d'un homme, enfin, du mariage. Comme je me suis trompée. Ma vie avec Tiakounté, notre mariage, nos réussites, nos échecs, ses infidélités, les brimades de sa famille ont fait naître en moi une révolte qui n'attendait que le moment propice pour éclore. À ma séparation avec lui, je pensais que ma vie était finie. Je pensais ne plus jamais pouvoir me relever, tellement j'étais amoureuse. Je l'aimais plus que ma propre personne. Lorsque je me suis mise avec Adrien, je pensais pouvoir enfin oublier mon amour de toujours, Tiakounté. Mais mon histoire avec Adrien a sonné la fin de tout en moi. J'ai failli laisser ma vie et celle de ma fille. Mais d'un autre côté, elle m'a permis de me recentrer sur moi, d'apprendre à m'aimer d'abord, avant de penser à aimer quelqu'un d'autre. Qui plus est, un homme. Beaucoup ne comprendront peut-être pas ma décision de quitter Tiakounté. Mais rendu à ce jour, après toutes ces années, je me suis rendu compte que ma paix intérieure était beaucoup plus importante que de vivre une histoire d'amour avec un homme. Comme un dicton le dit si bien, on peut être heureux seul. Alors, à moi ma nouvelle vie. Anne, tu as un plafond. Te voilà. Ma chérie, je pense que ça va bien t'aller. Oui, maman, c'est très joli. Waouh, ça aussi. Oui, ça aussi, maman. Grand-père, je veux cette peste. S'il te plaît. Papa, il coûte combien? Grand-père, regarde le prix. 25 000. 25 000? Non, papa, on ne peut pas se permettre d'acheter ça pour elle, c'est trop cher. Maman, c'est normal que ça coûte cher, c'est une veste en cuir. Grand-père, s'il te plaît. Je ne dis pas non, mais sauf que ce n'est pas une veste pour ton âge. Maman. Non, il n'insiste pas. Grand-père, dis quelque chose. Il ne va rien dire. Ne t'inquiète pas, ma chérie. On va la prendre, ta veste. Merci, grand-père. Papa, tu es le meilleur grand-père du monde. Ça, je le sais. Mais là, tu me flattes. Anne,
Va au comptoir, on te rejoint tout à l'heure. Maman, ne reste pas à Condé, grand-père, parce que je te connais. Quitte ici. Laisse-nous faire plaisir à la petite. Oui, oui. Tu ne peux pas lui faire plaisir. Laisse le blesser, parce que ce n'est pas normal. En tout cas, toi et moi, on va parler tout à l'heure quand on va arriver à la maison. Pardon, verse ton bénin sur moi là tout de suite avant qu'on ne rentre. Le regard noir que tu m'as lancé là, je suis sûr que ma journée va être gâchée. Qui est déjà fini. La facture, s'il vous plaît, et dans la facture, là, c'est mis celui qui peut. Obika, je n'ai pas d'argent sur moi ici. Tu vas payer ça. Merci beaucoup. Retirer ça très vite de ta tête. Maman, tu es toujours comme ça, gâcheuse de la joie des gens. Tu parles comme ça à qui? Je peux te racler là où tu es debout là. Hein? J'ai l'impression que tu oublies souvent que je suis ta... Ma mère, tu me chantes ça chaque jour, tu me dis ça chaque jour. C'est déjà devenu comme une sonnerie d'alarme dans mon cerveau. Écoute, tu as beau penser que tu es une grande fille, mais sache que là où tu es là, je peux encore bien te chicoter, te mettre le piment aux fesses. D'accord, mon colonel. Bon. J'étais en train de dire que tous les goûts de luxe que tu as là, tu m'enlèves ça très vite. Et tu te contentes de ce que je te donne. D'accord, mon colonel. Une lycéenne comme toi, tu peux enlever ce genre d'ambition. Tu travailles l'argent. C'est compris, son Altesse royale. C'est ton problème. Je pense que j'ai été claire avec toi. Maintenant, enlève-moi cette veste-là. Tu vas chauffer la nourriture, tu en manges. Maman est toujours comme ça, je ne vois même pas le but ce qu'elle dit sur la veste ici. Elle voulait se m'a bavarder comme d'habitude. Comment cela s'est passé avec ma petite fille? Papa, ta petite fille est très déçue. Papa, figure-toi que je vais pas parler à la jeune demoiselle. Elle veut me sortir les airs des filles riches. J'ai stoppé ça très vite. Hein. Je dis très vite. Gobikai, je te trouve parfois trop dur avec elle. Sois souple de temps en temps. Ne deviens pas une mère dragon avec elle. Je serais même une mère caméléon. Tu la gâtes trop, papa, et c'est abusé. C'est juste pour la veste de 25 000 que je lui ai acheté là. Oui, à cause de la veste de 25 000 là. Mais pas seulement. Tu passes ton temps à la cajoler, à lui offrir les choses sur un plateau en argent. Moi, je ne suis pas sous ça, hein, papa. Tu exagères, papa, tu exagères. Je ne voudrais pas que ma fille pense que tout est facile. J'ai souffert pour être là où je suis aujourd'hui. Hein? Je me suis battu corps et âme pour vous enlever à l'abri du besoin. Et toi, tu passes tout ton temps à servir Anne sur un plateau en argent. Écoute, Gobikai. Pendant des années, je n'ai pas pu offrir quelque chose de valable à ma petite fille. Tout ça à cause de l'état de mes finances. Aujourd'hui, s'il te plaît, laisse-moi lui offrir des petits cadeaux. Il y a une différence entre faire plaisir à un enfant et le gâter. Et dans ton cas, tu gâtes trop cet enfant. Hmm? Figure-toi que si sa tétuité c'était à 5%, ça se multiplie fois 50. Ma fille,
Je suis heureux d'être grand-père. Où est le mal dans tout ça? Si je ne le fais pas à Anne, à qui le ferais-je? C'est quand même ma petite fille, mon unique petite fille. Laisse-moi d'abord te parler. Pendant toutes ces années, tu t'es battue comme une femme capable. Et c'est normal qu'aujourd'hui, tu puisses offrir à ta fille la vie que toi, tu n'as pas pu avoir. Justement, papa, j'ai beaucoup travaillé pour avoir tout ça. C'est pour ça que je ne voudrais pas que tu fasses croire à Anne que tout est facile. C'est une adolescente. Et tout ce que je veux, c'est qu'elle réussisse à construire elle-même son avenir. D'accord, j'ai compris. Je crois que tu as certainement raison. Et je suis fier de la femme que tu es devenue. Une mère célibataire, mais avec une vision de vie remarquable. Laisse-moi aller parler à Anne. Tu as essayé ta veste? Oui, grand-père. Elle te va, elle te plaît? Oui, grand-père, elle est très belle. Viens, approche-toi. Tu sais, la vie n'est pas facile. Quand tu vas grandir, tu le comprendras par toi-même. Grand-père, tu veux déjà me dire quoi? Tu sais, tu n'auras pas toujours ce que tu désires, quand et comme tu veux. On obtient ce qu'on désire en travaillant dur, en mouillant le maillot. Pourquoi tes parents le deuil de maman comme ça? Si je ferme les yeux et qu'on change la voix, j'aurai l'impression d'écouter ma mère. Écoute ce que je vais te dire. Je voudrais que tu intègres ça dans ta tête. Tu n'auras pas toujours ce que tu désires dans la vie. Et puis, depuis que ton père est parti pour l'Europe, tu en veux tellement à ta mère. Pas seulement à ma mère, mais à toi et à tout le monde entier aussi. Vous aurez bien pu percer les roues de l'avion ou lancer la diarrhée à papa pour qu'il rate son vol. Anne! Grand-père, s'il te plaît, sors de ma chambre, je veux dormir. Mais je dis, hein, tu parles au père de qui comme ça? C'est la dernière fois que tu t'adresses comme ça à ton grand-père. Hein? Inspecteur Colombo, si tu n'écoutais pas derrière la porte, le prix de l'huile allait baisser. Anne! Tu dois du respect à ta mère. Quelle est cette façon de parler? Tu te crois où là? Écoute ma chérie, tu sais que je t'aime beaucoup. Tu es mon seul et unique bébé, mon gros bébé d'ailleurs. Pardonne-moi si je suis de temps en temps dure avec toi. La vie que tu vois là, elle va te cogner très fort. Et je suis juste en train de te préparer solidement pour que tu puisses l'affronter. Ok, ça va alors. Maman, je vais être travailleuse, respectueuse. Tout ce que tu me dis souvent là. Mais est-ce que je peux garder ma veste? Bon, ok. Juste pour cette fois. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi, maman.